Et donc bonjour à tous, c'est mat du 29 et on se retrouve pour le deuxième épisode sur farming. C'est parti. Donc du coup celui-là on l'avait relancé juste avant la fin. Du coup celui-ci est sur le champ numéro 55. Donc on va attendre tout simplement qu'il avance. Normalement il y a assez pour faire ce champ et le champ d'à côté. Et après on verra. Donc après, donc là j'ai une nouvelle version encore du mode du CoursePlay. Par contre là je peux envoyer normalement la Tektron sur le champ 69. Alors là il faut faire gaffe, c'est à la coupe, à la vis qui sort normalement de ce côté-ci. Bah normalement c'est bon en fait. Ça peut-être pour la repas, il faut que je mette dans l'autre sens. D'ailleurs c'est ce que je suis en train de cogiter en fait sur... dans quel sens mettre les machines, parce que faut savoir que si je mets une remorque à vider celle-là, il vaut mieux que je mette la machine du côté droit. Et pour les autres, ah non, c'est pour les ancieuses que là je me demande comment je vais pouvoir faire, parce que j'ai peur que les camions se rencontrent un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais intercaler. Il y aura un camion qui est... Je mettrai les camions vraiment à la fin, comme ça je pourrais... Exactement les deux comme il faut les camions. Donc là on envoie celle-là. Normalement je crois que j'ai la taille. 19 mètres. Et j'ai déjà le changement. Il me semble. Pomme de terre. Ils sont 54, ok. Donc, du coup, ça pue les dettes. Ça. Ah si, pétrage en 40, ah si. C'est le 53 que je peux supprimer. Voilà. Alors après, par contre, ça c'est quoi ça? Pomme de terre. Pomme de terre. C'est quoi ce truc là? Regardez quand même, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas un truc de pain de vente, ça? Non, pas. Mais non, il faut que je refasse. Et je pense que je vais devoir refaire toutes les courses pour les moissons. Bah, du moins, vu que les moissonneuses, généralement, c'est sur la gauche qu'on vide, sauf pour celle-ci. Du coup, bah, il va falloir que je vois ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle va pas vite là? Faudrait presque un porte-char pour les machines pour les envoyer jusqu'au champ. Mais bon, ça doit être là, je pense. À mon avis, on peut leur utiliser. Je vais la supprimer et la mettre à part. Bon, là, il a fini bientôt, je pense. Presque. Ouais, bah c'est pas bon. Il faut que je revoie ça. Alors, champ 69. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc, on va se mettre au nord, nord-ouest, sud, et donc ça va s'appeler, moi je pense que je vais mettre, on va mettre PDT champ 69 pour que ce soit plus facile à lire. Tac. Donc ça c'est fait. On va attendre. Voilà. Je vais déplier. Non, merde, c'est ça. Voilà. Alors après, on choisit du côté où on veut faire. En l'occurrence, alors il me semble que j'ai déjà mis. Non, je l'ai pas mis. Je l'ai mis. Donc elle fait 7. 19 divisé par 2. 27 mai. 9,5 qu'elle fait. Ah, je l'ai pas fait. Donc ça sera 9,5 m. Divisé par 2, ça fait 4,75, donc 4,7. Donc ici on se met à 4-7 à gauche par exemple, ou à droite en gros. On va se mettre à droite plutôt, vu qu'on est à droite déjà. 4,7 m. Voilà. Il n'y a pas qu'elle dépasse de courbe sur la route. On va se mettre quand même bien. Donc ici, comment on est par rapport à l'autre façon, oh, voilà, voilà. On éteint. On peut fermer ça en attendant. Non, elle est avant en fait. Normalement c'est celle-ci. Non. Voilà, elle est là. Allez, voilà. Donc pareil, on se prend la course pomme de terre, champ 69. Donc ici encore en cas où on va mettre 19 mètres. Et on va jusqu'au champ là. Le sommaire a bientôt fini aussi. Et en haut sans doute aussi. Voilà. Ici. Gauche. Et on met 4,7 m. Donateur. 3 m, 4 m, 5, 6, 7. Voilà. Allez go, c'est reparti. Ah, c'est parti pour l'emmener jusqu'au champ et après on verra. Sachant qu'il y en a bien un qui va m'appeler pour me dire j'ai fini mon travail. Donc du coup on va faire comme ça. Hein. Allez. On va faire ça et puis après on verra. L'engrais est bientôt. Ah non, non c'est juste que il arrive à la fin du gros réservoir et non pas du petit, donc on va attendre un petit peu. Et après on verra lequel normalement de manière si par exemple le pluvier finit avant le semoir, je peux toujours le mettre sur le champ 50. Mais si jamais j'arrive à finir avec le pluvier avant le semoir, et ben il faut que j'attende que le semoir est fini, que je le mette sur un autre champ et après je pourrai remettre le pluvier. C'est comme ça que je fais. Je sème avant de passer le pluvier. Normal. Du coup là normalement il est bientôt. Le semoir doit bientôt finir je pense. Et le pluvier pareil. Quand il est dans le rouge là faut que je fasse gaffe, il faudra que je le remplisse. À moins qu'il arrive à finir ce qui reste. On verra ça tout à l'heure. Et bien sûr, l'épisode est bientôt terminé aussi. On a fait presque la moitié du temps déjà. Et donc, moi j'arrête par le je suis carburant. Donc du coup... Ah bah tiens, il a terminé. Le sommar a terminé. Bah, je vais me ranger là. Hein. Hop, on va couper. Donc lui, on va l'arrêter. L'autre, il est arrivé où? Il a bientôt fini au moins. Ah, il y aurait juste plus de poils, mais vraiment, on va être à la limite. Bah du coup, ce que je ferai, c'est que je le laisserai, puis je ferai l'autre... Voilà, bah, on va attendre un petit peu qu'il arrête. Et puis après, j'irai mettre le semoir en... On va le mettre là. Tac. J'irai chercher après, je verrai après. Donc on se retrouve après une petite ellipse, le temps pour moi de tout simplement de semer ce qui reste à semer sur ce champ. Ou alors je fais les deux champs directement. Bon ok, allez hop, tiens, c'est parti. Alors champ 56. On va mettre en nord, nord-est, ouest. Et puis donc ça va être 15,01 champ 56. Paf, c'est parti. Donc je prépare. Alors le 156 de l'autre côté, c'est pas grave. Donc comme ça, ça sera fait. Et après on pourra aller rechercher l'autre. Hein. Alors, petite ellipse, hein, parce que sinon ça va être long. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est reparti pour celui-ci. Par contre là, il faut que j'aille le recharger. Donc du coup, on va prendre notre petit quad et on va aller jusqu'au packer avec le pull. Allez toi. Donc du coup, il est en bas du champ. Il a, en plus, il avait presque fini. Merde. Alors. Ah zut. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc du coup, le temps que je recharge tout ça. Donc on va aller jusque là-bas. J'ai mis mon petit chrono comme ça je sais si je suis bon dans les temps ou pas. Donc du coup, on se retrouve dans le troisième épisode tout de suite. Donc n'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser des commentaires. Et puis bien évidemment, on se dit à tout de suite. C'est parti.